Elles sont dynamiques, féminines, et elles dirigeront bientôt une exploitation. Ces quatre étudiantes organisent un des concours attendus de l'Agri Days. Le Clip & Show a été créé il y a 3 ans au lycée La Touche de Plouermel. Il a été créé par 4 fils d'agriculteurs. Et tous les élèves de BTS Production Animale ou AXE peuvent y participer. Le concours Clip & Show consiste à rassembler 12 jeunes de BTS agricole. Donc ces jeunes, durant 4 jours, vont être évalués sur différents critères. Donc il y aura le meilleur clipper, le meilleur présentateur, le meilleur lycée et le meilleur au concours général. Sur le ring, on jugera leur présentation et la posture de leur génisse, à savoir leur placement de jambes, leur port de tête ou encore leur ligne de dos. Donc avant la présentation, les étudiants ont 3 autres étapes à apprendre, donc le lavage. La deuxième étape est la tonte, donc qui consiste à mettre en avant l'aspect morphologique de la génisse. Et la troisième étape est le clipage, qui consiste à mettre la ligne de dos la plus droite possible pour donner une hauteur et une valeur à la génisse. Au-delà de l'enjeu de la compétition, cette animation est d'abord une vitrine sur l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. L'intérêt d'un projet comme le Clip & Show, c'est avant tout de montrer la motivation des jeunes agriculteurs en Bretagne, comme aussi l'agriculture au féminin. C'est important de nos jours de montrer une image valorisante de l'agriculture. Le grand public sera bien sûr convié au spectacle, n'est-ce pas mesdames? Rendez-vous 13 mars au Salon Agri Days à Morlaix.